Voilà comment le poumon il a été complètement détruit. Qu'est-ce qu'on va parler maintenant? On va parler de quoi? On va résumer quoi maintenant? C'est un vrai virus? Maintenant c'est fini. La France du début, la Chine, ils sont sales, ils mangent des vivants, ils mangent ceci. Oui, il faut peut-être limiter les voyages. Les voyageurs sont venus. Le virus, il est là. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les musulmans, les habitants de Dissi, de mes yeux, de toute cette région? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester les mains comme ça? Non, mon frère. Allah, il t'a demandé, tu es un croyant musulman, tu as de la science, on a des grands imams, on a des grands mu'addins, on a des grands chercheurs, on a des grands médecins, on a des grands ingénieurs. Allah, il nous demande, nous les musulmans, de se protéger et de protéger l'autre, de se prémunir. Celui qui est, ça et sauf, nous, on n'a rien maintenant, Dieu merci. Qu'est-ce que je dois faire? Me laver les mains toutes les 15 minutes, avoir solution alcoolique, hydrogel alcoolique, et je me lave chaque fois. Je me coupe les ongles, et à chaque fois je me lave les mains, avec, si je n'ai pas l'alcool, au moins je peux prendre des petites bouteilles de shampoing, au moins, petites bouteilles de gel savon. Au moins je me lave. En se lavant juste les mains, sans alcool, on élimine 80% des risques de tous les virus. Et en se lavant le visage et le nez, d'où l'intérêt de l'wudu 5 fois par jour, ça permet de réduire carrément. Et puis, je vais rendre visite à un malade? Non, le malade, il doit rester chez lui. Je me sens maintenant, après salat maghrib, laqadarallah, fatigué, j'ai des courbatures, je commence à éternuer, oh, pop, pop, c'est des signes de froid. Il y a la grippe, je vous ai dit combien de virus actuellement. La grippe A, la grippe B, VRS, métapneumo, rhino, adéno, ben je me mets à DJ, le coronavirus. Tout ça circule. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets un masque, donc on te fait d'arrêt. Parce qu'on n'a pas de médicaments. Quand tous ces virus, il n'y a pas de médicaments. Faites la cannelle, tisane à la cannelle, du thym, soignez-vous avec du doliprane pour la fièvre et restez chez soi. Changez les mouchoirs. Si vous éternuez, mettez votre coude ou mettez les mouchoirs. Les mouchoirs, vous jetez jetable. Ne saluez pas les gens, les personnes et restez chez vous. T'es encore plus malade, appelle ton médecin traitant. Le médecin traitant, ils sont formés pour. Dès que vous l'appelez, il vient. Masque, lunettes, gants. Et puis, votre femme et vos enfants, s'ils doivent venir chez vous, pareillement, sortez, n'allez pas au salon pour rendre mal à toute la famille. Isolez-vous dans votre chambre. Aérez les chambres tout le temps. Tout malade, les chambres, les maisons, les appartements doivent être aérés tous les jours. C'est une qaïda dans l'islam. Le bait, les amis, toutes les 4 heures. Et si vous avez un malade dans une chambre, vous ouvrez les fenêtres, vous aérez à l'extérieur. Le fait d'aérer, même Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hawa ou al-shams, il y a akbar ilaj ou ahsan ilaj. Les changements. Deux, troisièmement, le médecin, il va vous traiter, vous restez. Si le médecin, il va juger que c'est un état un peu qui s'aggrave, lui, il va appeler le SAMU ou vous appelez le SAMU. Le SAMU, il va venir, il va juger, oui, c'est un état grave, je le ramène à l'hôpital. Tout malade qui a ces signes, et il va à l'hôpital, il va encore se contaminer plus. Parce que l'hôpital, ce n'est pas la mosquée. La mosquée, elle est très propre, tu viens prier. Ce n'est pas le stade, on fait le sport, il est aéré. L'hôpital, c'est le nid des microbes et des bactéries. C'est pour ça qu'on dit, restez chez vous, tant que ce n'est pas une maladie grave. Ah, il a mal à respirer, mal à se lever, il a très mal, il est gêné. Ah non, là j'appelle le médecin et on le traite. La dame qui va soigner le malade, ton épouse, ta fille ou votre papa, parce que ça peut être l'enfant, mettez des gants, mettez un masque et soignez votre fils, parce que si tu dis, ah ouais, ça fait des années, ça ne nous est pas arrivé, oui, d'accord, on n'avait pas de coronavirus à Lyon, maintenant on a du coronavirus à Lyon, on n'avait pas à Valence, on a à Valence, on n'avait pas à Strasbourg, on a à Strasbourg, France, la France, plus de 16 régions, elle est touchée. Toute la France, elle est touchée aujourd'hui. On est musulman, on est musulman, on est musulman, on est musulman, on est musulman. Le vaccin, ils t'ont obligé contre des microbes. Eh bien, ici, ton vaccin, c'est toi. Se laver les mains, se laver le visage, laver bien rincer le nez, surtout, surtout les jeunes mamans. Allah yiftah alaykoum, les jeunes mamans, quand vous récupérez vos enfants de la crèche et de l'école primaire, c'est le nid des bactéries et des virus. Et surtout, si vous êtes une primipare, qu'est-ce que ça veut dire primipare? Les jeunes mamans. Quand vous avez le premier enfant qui est à la crèche, et souvent,
vous allez lancer la deuxième grossesse. Souvent, les mamans, elles s'infectent alors qu'elle est enceinte par son premier bébé qu'elle a déposé à la crèche ou à l'école primaire. Quand elle le ramène, pourquoi ? Elle va l'embrasser longtemps dans la voiture, quand elle le met dans le siège, quand elle le récupère, quand elle lui songe la couche, alors qu'elle ne l'a pas lavé, eh bien, il va lui donner tous les virus de la crèche. Et ces virus, eh bien, parmi ceux-là, il y a le CMV, il y a la rubéole, il y a la rougeole, il y a l'herpès, et que tu peux attraper ma sœur, et ces virus, ils peuvent passer chez le fœtus, et ils peuvent contaminer le fœtus. Le fœtus, il peut faire une mort fœtale, un avortement, un retard mental, une atteinte cardiaque, une atteinte cérébrale, et ça, c'est mon travail. Tous les vendredis matins, je suis virologue expert au CHU de Lyon. Tous les vendredis matins, de 8h30 à midi, j'étudie tous les cas avec les gynécologues obstétriciens de Lyon, Lyon Sud, les cliniques, sur toutes les femmes enceintes qui ont attrapé des virus. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Le seul moyen, se laver les mains, madame, toutes les heures, et quand vous récupérez vos enfants de la crèche ou de l'école primaire, rincez-lui les mains et surtout lavez-lui le visage et le nez au moins 3 fois. Au moins 3 fois, on le dit. Et donc, je termine par le port des masques. Si vous avez un malade, mettez-lui le masque. On n'a pas de masque. Il y a une rupture de masque. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, le gars qui twerg, dit le kambouche. On rigole, oui, mais c'est le seul moyen. Tu te mets le mandil. La place du pont, le malheur des uns, ça fait le bonheur des autres. Mais quand je les masque, ou la doua ketret, la khadr la, la doua nsemou belli, 30 matou, 50 matou filion, ou 1000, qui dit, tu m'as là, je suis le kambouche, dis le kambouche chèche, ou khatin nefsk bichèche, ou la khatin nefsk, ou khatin l'akhar. Le port des lunettes, le port des gants, le lavage des mains, éviter les lieux. Par contre, elle est le masjid. نطلب منكم حاجة الله يفتح عليكم القائمين على المسجد ركبوا لنا الصابون قبل كل وقت صلاة لأن قبل كل وقت صلاة كان من يجي يتوضأ إلا ما كان الصابون كيف يدير الإنسان ويدخل لك رحمكم الله المرحاض ها هنا الجامع ذوك نقضوا أهل الجامع أولا ثانيا من بعد كل صلاة فتحوا البيبان الأربع والنوافذ الأربع وخلوا يضرب الكورون دار بور آيري لأنه في الأكسجين يموتوا الفيروس ويخرجوا أي واحد يقول له هيا غلق علينا الطبيب جاي يشكل علينا غلق علينا البرد هذا من الجهل سي دي لينيورونس مي سور اوسي اون هو فو زايغي لي سال اون هو اي نو احنا المسلم اخو المسلم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين